fière et de vous en déplaise. Cette fierté d'huissier t'en veut que mieux. Ainsi qu'as-tu pu faire la grande vilaise avec orgue pour faire ses aïeux. Car elle a gardé la mémoire de ce que fut son vieux rocher. Ce fut grand vide la victoire par le noble sang de les maisons de retraite, de l'hôpital, Paul Poirier, aux Embruns, au Phare, auprès des malades atteints de la maladie d'Alzheimer, des rencontres avec les polytraumatisés du centre de rééducation fonctionnelle du Normandie 1 et 2, les résidents de la maison de retraite à Jullouville, car tous participent à cette liesse populaire grand-villesse qu'est le carnaval. Et enfin, le jeudi qui suit, la rencontre avec les forains et la remise de la collecte du char des pauvres. Elles ont également participé aux courses cyclistes, non pas sur le vélo, mais autour de la Manche également, non pas sur le vélo, mais aux remises de récompenses. Les remises de récompenses aux sportifs du Tour du Roc à la nage. Ensuite, dans un autre registre complètement différent, le grand pardon de la mer et des corporations, de Granville, de Chauzet, fête patrimoniale par excellence de notre communauté de communes. Mais également les structures gonflables et la grande cavalcade de Donville, manifestation organisée par le comité des fêtes de Donville. Les bus nautiques à la salle de RL, la fête des fleurs à Jersey dans le cadre du jumelage Granville-Saint-Brolade. Les voiles de travail, où le monde de la mer est mis à l'honneur. Le vernissage de l'exposition Dior et le rallye Dior, organisé par le Club de l'Auto et l'association Présence de Dior. La reconstitution du tableau de Maurice Orange devant la Grand Porte pour la manifestation Granville la Victoire. Et dans une semaine, les trois demoiselles participeront au repas offert par la ville de Granville à tous nos aînés. C'est une année bien remplie, comme vous pouvez le voir, qui leur laisse de beaux et bons souvenirs, je pense. Merci à elles trois, à nos porte-drapeaux et à leurs familles qui les ont aussi accompagnées pour leur sérieux, leur exactitude, leur sourire et leur gentillesse. Mais je tiens aussi à remercier les représentants de Villedieu-les-Poêles, les représentants et les membres du comité d'organisation de carnaval, et vous tous ici présents. Je n'oublierai pas de citer non plus les offices de tourisme, les services techniques, les espaces verts de Granville et de Donville, les commerçants et artisans grandvillais avec qui un réel partenariat s'est instauré. L'aide précieuse et sans compter de Bernadette et Jean-Claude Gann, on peut les applaudir. Et tous les partenaires, tous, qui ont habillé, coiffé, maquillé les jeunes filles, qui ont offert de jolis lots pour les demoiselles sortantes et pour leurs porte-drapeaux. Leurs noms sont cités sur les affiches. Prenez le soin de les lire, ce sont des partenaires très efficaces et qui ne disent jamais non.